avec Yann Kuchra. Voilà, qui dans son exercice va nous présenter le Kuchra, un nouvel élément qu'il a proposé l'année dernière et qui vient juste d'être homologué dans le code de pointage. Je vous laisse le décrire, le Kuchra donc, voilà, un nouvel élément. Ça commence pour Yann sur le côté de la barre. On bascule jambes serrées. Pour l'instant ça va. Salto en dessous et là c'est maintenant le Kuchra. Regardez. Salto en dessous, dislocation d'épaule. Regardez, c'est impeccable. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Avec un double salto arrière dans les barres. Le tipelt que l'on appelle aussi, qui est comparé au catch-chef à la barre fixe. Passage à l'appui brachial. Pour l'instant, c'est impeccable pour Yann. Et c'est déjà la sortie. Double arrière, faut que ça pile. Ah, léger sursaut, mais c'est très très bien. Ah oui, c'est excellent. Yann Kuchra donc pour une médaille. Ça semble bon hein, pour une nouvelle médaille française. Oui, je pense, hein, parce que c'est un des grands favoris. Regardez la dislocation d'épaule, c'est ça l'originalité de son mouvement. Prise d'envol, double salto arrière, réception dans les barres. Là, c'est peut-être un tout petit peu pénalisé. Oui, mais c'est pas pénalisé par les juges parce que c'est un élément de grande difficulté. Regardez, l'arrivée est assez violente. Ouais, c'est sûr que c'est difficile quand même de maîtriser totalement cette réception. Et là, voilà, la sortie ne sera pas trop pénalisé. C'est la première place pour Yann Kuchra, une médaille assurément pour le Français. Superbe performance, 9,587.